Parce que dans la création plutôt que voilà. La décrire de la Trinité. Mais c'est proprement la Trinité. Non, c'est pas ça de dire que c'est pas une. Bon, c'est un transversal. Je vais citer un exemple de la Bible. Juste un peu, une juive. Merci, maintenant. Et maintenant. Voilà, dans les faits d'auteur de l'actualiste, il y a le fait d'auteur de l'actualiste, tel état et la fille sur deux. La signe de première. L'équivalent de la signe de première. Donc, la jeune fille qui a le fond de sa vie. Déjà, l'application que tu as faite, c'est pas pour ça. C'est seulement pour les effets de nous. Il y a eu le niveau de conservation en relation avec la transformation de l'art, etc. Dans le monde des collègues sont conservés en situation. Tout ça, vous allez utiliser. Juste pour vous préparer. Maintenant, c'est-à-dire que vous allez présenter des applications et des exemples de sécurité. Vous devez émettre le message que vous maîtrisez correctement la relativité externe. Si vous avez des questions à vous poser, vas-y. Ok, c'est ce qu'il faut dire dans l'introduction. Après, vous citez ce que vous avez utilisé. Par contre, il y a une erreur grave. C'est pas là-bas. Concernant les muons, c'est quoi les muons? Les muons, ce sont des particules. Oui. Qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai écrit après des animations. Propriété, ils ont la charge élémentaire, plus ou moins, ils ont le spin et demi. Et pour la masse, ils sont 207 fois. 203. Et vous avez écrit le côté du mur, vous avez écrit les maisons. Oui. La famille des électrons, comme les électrons, d'ailleurs, ils possèdent la même charge. Seulement, la masse est de 100 fois plus longue que l'union. Donc, ça, c'est pour faire attention. Les maisons, c'est que l'union est une particule élémentaire, comme l'électron. Les maisons sont des bosons. Dès que tu mets les maisons, elles sont des bosons, c'est des formes d'équivalent. D'accord ? Donc, ça, il faut faire attention. L'union élémentaire ? Le muon, c'est une particule élémentaire, comme les électrons. D'ailleurs, cette année, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de polémiques sur la masse de. Sur le muon. Si vous regardez un peu écrivez sur les recherches sur le muon cette année, il y a tout un bazar pour la définition du muon. Mais c'est une particule élémentaire. Avec le neutrino, oui. Donc il y a une grande confusion au niveau de la masse. On a défini à 200, mais apparemment, il est, a priori, c'est apparu 1000 fois plus grand que l'électron. Donc il y a une confusion. Mais l'essentiel, c'est là, il ne faut pas se tromper dans la définition. Il faut dire juste un peu plus de l'économie de l'électron. OK. Pour le reste, aussi pour la fin, l'équivalence masse énergie. Vous devez écouter dans cette façon, c'est la pratiquement toutes les réactions, la définition.